Salut à tous, c'est 77 Cabal et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed. Donc on en est à l'épisode 21 et on devait aller à Kingston. Donc pour éviter le bateau, etc. D'ailleurs vous voyez que j'ai à 100%, ça y est. Pour éviter le bateau, etc. Je vais directement me téléporter là-bas. Et je pense qu'il y aura une petite cinématique comme à chaque fois que tu rentres dans une nouvelle une ville où t'as une mission. Suspense. Ah non, même pas. Vous détenez une carte trésor. Ça marche. Mais bon, moi j'ai une carte trésor. Ouais, je me rappelle une carte trésor. Oui, je veux pas la faire, ça sert à pas à rien. Ça va me faire perdre du temps plus qu'autre chose. Voilà, nous sommes arrivés, il y a des Wally. Et un homme. Imagine ma surprise. Allez, on se retrouve après la cinématique, les amis. Qu'as-tu appris, Adé? Ce profiteur travaille pour la Compagnie Royale d'Afrique. Répète-lui ce que tu m'as dit. Ça doit faire au moins 8 semaines que j'ai pas vu le princesse. À mon avis, il devrait rentrer d'ici peu. Quoi d'autre? J'ai cru que ce bougre était avec les hommes qui m'ont posé plein de questions sur le princesse ce matin. Et je lui ai dit que... De qui tu parles? Un marin arrogant, habillé de guenilles. Et un riche avec une balafre juste là. Où est-ce qu'ils sont allés? Ils se sont installés près d'ici, je crois. J'en ai vraiment assez de ta chasse aux fantômes, Edward. Et l'équipage aussi. Ne décourage pas, mon ami, on touche au but. Tuer les brutes, 0 sur 4, saboter les cloches d'alarme. D'ailleurs, j'avais le faire. D'ailleurs, 0 sur 2. Le cas du Horny God et Wojo. Alors, où y a-t-il des brutes? Là, y en a une. Hey, are you feeling all right, Trent? Off to Nord and beyond that time. Hold mine. Well, no, you don't. Come back. Chut. Là, est-ce qu'il y a des brutes? 4 mecs, mais aucune brute. Là. Je crois que je vais un peu moins bien. Putain, shit. Oh non, attends. Hop. Je vois plus l'autre brut. Là, il y en a une, tiens. Hop. Ah, bah, tiens, il y en a juste à côté. Est-ce que ça me compte? Ah, c'est ok.
Arrêtez de me regarder comme ça, vous. Je pense que je vais devoir recommencer. Allez, hop, on va recommencer parce que... Voilà. Parce qu'en fait, les brutes, il faut vraiment que je les tue. Et si je les tue pas, ben... Enfin, si. Si je les mets en furie, que c'est quelqu'un d'autre qui les tue, ça compte pas. Donc, on va recommencer, je pense. Non! Ça va mieux, j'espère. C'est pas une brute. C'est pas une brute. Avez-vous alerté les hommes? Nous manquons de temps. Oui. Deux hommes nous attendront au cas. Les siens, j'ai plus de temps. Très bien. Si je peux me permettre, monsieur. À quoi doivent servir? Hop, ça fait une. Torres dit que l'observatoire avait besoin de sang pour fonctionner correctement. Qu'est-ce que ça signifie, monsieur? Si l'on veut que l'observatoire puisse espionner le roi George, nous avons pour cela besoin d'un équipement royal. Autrement dit, un échantillon du sang d'un homme nous permet de connaître ses activités. Cela signifie-t-il que Torres a l'intention de m'espionner? Parce que je viens de lui donner de mon sang. Moi aussi, capitaine Hornigold, ainsi que tous les Templiers. Voyez cela comme une sorte. Assurance. Ne craignez rien. Torres a fait convoyer les fioles contenant notre sang vers une cachette à Rio de Janeiro. Nous ne serons pas les premiers sujets de l'observatoire, mon cher. Entendu, Roger. C'est un prix bien modeste ce que m'ont apporté les Templiers. Je ne vous le fais pas dire. Gouverneur, lorsque vous traquiez les pirates à Madagascar, quelles ont été vos méthodes les plus efficaces? Ils sont sérieux? Genre saute juste devant la tronche, il me brille pas. À Madagascar, j'ai offert à ces pirates un choix de plus simple. Rentrer en Angleterre libre, pardonner et sans le sou, ou mourir pendu au bout d'une corde. Comme vous l'avez fait à Nassau. Précisément. Dommage que ce cher Commodore Chamberlain n'ait pu être témoin de ce prodigieux succès. Une telle jubilation ne vous ressemble pas. Autorisez-moi cet excès passager, voulez-vous? J'espère qu'on va croiser une brute sur le passage, sur le coin. Une brute sur le chemin, voilà. Ça. Est-ce que c'est considéré comme une décision? Ça m'étonne. Pas une brute, c'est pas une brute. Il n'y a plus de brute. Donnez-moi une brute. Stay right. Bon. Et une dernière brute, s'il te plaît. Hold on.
Oh, ce couteau. Oh non, c'est la fin de la mission, je pense. Grand maître, bienvenue. Buenas noches. La princesse est tombée aux mains de pirates il y a 6 mois. D'après nos informations, le sage Robert était encore à son bord. Craig, nous touchons au but. Quelle mesure avons-nous prise afin d'arracher le princesse à ces pirates? Le capitaine Hornigold a dépêché ses meilleurs hommes pour s'emparer du sage. Et où se trouve le sage? Le savons-nous? En Afrique, votre excellence. En Afrique? Mon Dieu, les vents qui y mènent ne sont guère favorables. C'est exact, grand maître. J'aurais dû m'y rendre moi-même. Un de mes navires négriers aurait pu effectuer cette traversée à bonne allure. Navire négrier? Capitaine, je vous avais demandé de cesser ces maudites pratiques au plus tôt. Je peine à voir la différence entre asservir certains hommes et les asservir tous. Notre but n'est-il pas de diriger le cours de la civilisation? Pourquoi tu fais l'esprit à la révolte? Mais asservissez l'esprit et le corps suivra naturellement. Sans le moindre leurre. Voilà qui est bien dit. I've got a clear shot! Dépêche-toi, monte! Mais non, mais non, 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 non. Chiasse, merde. Salopard de mec dans le toit. Je suis à combien là? 3 sur 4. Le capitaine Hornigold a dépêché ses meilleurs hommes pour s'emparer du sage. Et où se trouve le sage en ce moment? Le savons-nous? En Afrique, votre excellence. En Afrique? Les vents qu'ils mènent ne sont guère favorables. C'est exact, grand maître. J'aurais dû m'y rendre moi-même. Un de mes navires négriers aurait pu effectuer cette traversée à bonne allure. Navire négrier? Capitaine, je vous avais demandé de cesser ces maudites pratiques au plus tôt. Je peine à voir la différence entre asservir certains hommes et les asservir tous. Notre but n'est-il pas de diriger le cours de la civilisation? Un corps asservi incite l'esprit à la révolte. Mais asservissez l'esprit et le corps suivra naturellement, sans le moindre. Voilà qui est bien dit. Rappelez-moi, où cherchons-nous en Afrique? À Principe, monsieur, une petite île. Nous avons envoyé deux de nos meilleurs hommes, Burgess et Cockram. Des corsaires fort compétents, munis de navires rapides. Edward Kenway! Imagine ma surprise en voyant ton jackdaw amarré au port. As-tu appris tout ce que tu voulais savoir? Vas-tu tenter de soustraire ce pauvre sage à notre emprise? La peste soit sur toi, traître! Tu nous as vendus sans remords. Parce que j'ai trouvé une meilleure voie. Les Templiers connaissent l'ordre, la discipline, la stabilité. Mais ces qualités n'ont jamais figuré à ton registre. Adieu, vieil ami. Tu as été un soldat jadis. Quand tu te battais pour une véritable cause. Pour un but qui dépasse ta personne. Ayo. Chut. Voilà, 90, 100%. Impec. Donc comme vous l'avez remarqué, on va aller à Principe. Principe, je sais pas trop. Je ne sais pas où ça se situe. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas mal de trucs à y faire.
Donc j'espère qu'à tout moment je pourrai y retourner. La suite de l'univers pour découvrir les plus grands navires pour apporter des récompenses plus. Ah oui, d'accord. Donnez-moi de la toile! Parce que je sais que j'ai des. Profitons de cette brise, des stèles et tout à trouver là-haut. Envoyez toute la toile, en route! Je sais que c'est. C'était quoi ça? Oh. Hey, go. Vers les côtes de l'Afrique. Donc là nous sommes en Afrique. Il faut que j'aille là-haut. Oh, c'est lui, c'est le petit truc. Attention, il tire sur nous! On protège! C'est là qu'il faut tirer! Salve ennemi, ils nous ont baladé! Retire bien la justice, il ferait traîner la balle! Non. C'est lui, merde. Il est explosé! Faut pas laisser passer l'occasion! Capitaine, si on là, il ira pas là-haut! On est presque là, capitaine! Il n'en parle plus. Ouais. Allez. Envoyez la grande voile. Toute la toile, plus vite que ça. Donnez toute la toile et tendez. Falaise, droit devant. Plus très loin, capitaine. Je vais chercher Robert. Je traîne pas. Les hommes n'aiment pas cet endroit. Capitaine à la baille! Hop, on tige très dehors. Cool. Oh.
comment je fais les trucs. Mordu. Il va arriver au-dessus, là. Capitaine Kenway. Encore une situation tragique, Robert. J'espère qu'on pourra changer ça un jour. Cesse de me suivre et ton souhait sera comblé. Tout ça ne mène à rien. Tu sais que je suis un homme de parole. Notre cher vieux Howell vient de trouver la mort lors d'une embuscade des Portugais. Cette tête de mille. Je lui avais bien dit de ne pas aller à terre. Je reconnais la marque. Les Templiers Burgess et Cockram. Les hommes qui t'ont conduit de force à la Havane. Ah, je vois désormais que nul ne se soustrait à l'attention des Templiers, n'est-ce pas? J'imagine qu'il est grand temps de riposter. Voilà une idée séduisante. Et je sais comment procéder. Mais ces hommes, Burgess et Cockram, ils ne doivent pas quitter Principe, ils savent que j'en ai réchappé. Ils mourront. Je te l'assure. Si tu vois des hommes de mon équipage, prends leur service et envoie-les ici. Je ferai de mon mieux. Ah, c'est un singe. Je me demandais ce que c'était, voilà. Il faut des pots de singe pour. Je sais plus quoi. Ouais. Voilà. Okay. Mon dieu. J'espère qu'ils vont pas alerter tout le monde. Ah, t'es sérieux toi? Allez, allez. Hop. Bon. Il y a un peu trop de tireurs pour moi.
et merde aussi. Vous l'avez raccourci. Vous l'avez rentré. Hop, c'est mort. Taille-toi. Je pense que l'autre il est sur le bateau. Je suppose. Quoi? Il s'est barré avec. Tu nous as bien eus, Kenway. T'as enfin montré ton vrai visage. Mais pourquoi? Pour satisfaire son sale orgueil. Vous vous êtes mis entre moi et ma prise. Ça s'avère souvent fatal. Un crétin arrogant. Or, Nigold avait bien raison. Ces Templiers ne sont que de vulgaires charognes. Comme vous tous. Et toi, tu es la pire de toutes, Kenway. Ce sont les Templiers qui nous ont accueillis quand tout s'est effondré. Pas notre roi, ni notre pays. Les Templiers. Les Templiers sont une vraie famille. Où est la tienne? Le service officiel n'offre qu'une maigre pitance et une solde de misère pour notre dur labeur. Mais nous, gentilshommes de fortune, jouissons d'une grande satisfaction, du plaisir et de l'aise, de la liberté et du pouvoir. Alors quel homme doué de raison préférerait la première solution? Lorsque le seul risque que courent les pirates est de se faire fusiller du regard par ceux qui n'ont ni force ni splendeur. Cela fait 6 semaines que je suis parmi vous. Et pendant cette période, j'ai adopté votre point de vue avec tant de zèle et de conviction que vous pourriez prendre peur en me voyant incarner vos passions avec tant d'ardeur. Mais si c'est un capitaine que vous voyez aujourd'hui en moi, alors oui, je serai votre capitaine. Yeah! Car sachez que j'ai plongé les mains en eau trouble et qu'en les retirant, j'ai compris qu'il valait mieux être commandant que simple matelot. Je suis flatté par tant d'obstination. Tu dois trouver l'observatoire. On raconte que t'es le seul à savoir où il se trouve. On ne t'a pas menti. En dépit du dédain que m'inspire ton avidité, je crois percevoir en toi une touche unique de génie. Je suis Bartholomé Roberts. Edward. Je n'ai aucun secret à te révéler. Et si tu m'accordes ton aide, d'ici 2 mois, quand nous serons aux îles sous le vent, tu auras tes réponses, j'en fais la promesse. Oh non. Bon, mais juste 80. Faudra que je la repasse. Ça. Avec le scorbut, le remède est plus plaisant que la cause. Mais quand une catin te laisse un souvenir qu'il faut traiter au vif argent, c'est toujours plus plaisant d'attraper le mal que de le guérir.
Quelque chose te ronge ? Ah, chaque homme rêve de vivre selon un code ou un credo, non ? Sauf qu'une fois le dos au mur, la plupart suivent leur instinct, plutôt que les règles qui les régissent. Mais quel est l'attrait d'un credo, s'il n'impose pas à tous les mêmes agissements ? Peut-être qu'il te donne le sentiment d'appartenir à quelque chose. T'en penses quoi ? Je crois qu'il y a un mouton en chaque homme. Et qu'un vieux loup comme moi mérite chaque once de sang qu'il prélève. Fais route vers cet endroit. N'emmène que des hommes de confiance. Bon, et bien voilà les amis. On se laisse ici pour cet épisode. On se retrouve pour l'épisode numéro 22. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye.